Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un petit vlog chill, une journée avec moi. Là il est 9h20, je viens de finir de me maquiller, jour du coup à 9h30, mais j'ouvre toujours 5 minutes avant, donc à 9h25. Là il me reste juste à mettre en place mes petits outils et puis let's go, la journée démarre. J'ai pas trop eu le temps de vous prendre ce matin. Généralement le matin c'est toujours un peu speed, j'aime bien dormir donc je dors un maximum et j'ai genre 30 minutes pour me préparer assez rapidement et puis ensuite finir de me préparer à l'institut. Du coup c'est toujours très rapide. Petite pause, barre de céréales. Là il est quasiment 10h50, j'ai fini ma première cliente. Et là en fait ma prochaine cliente arrive à 11h, j'ai fini un chouïa à l'avance. Du coup là je mange vite fait ma petite barre et ensuite je vais préparer le soin du dos. En ce moment je fais une offre, c'est moins 5€ sur tous les soins que je propose à l'institut. Donc soin du visage, soin du corps, soin du dos, soin des mains, soin des pieds. Ça fonctionne plutôt bien donc j'étais plutôt contente de cette offre. Ça y est, soin du dos terminé, là il est 11h45, j'ai plus personne ce matin parce que j'ai bloqué, alors normalement je suis en pause de 13h à 14h, sauf qu'aujourd'hui j'ai bloqué également un créneau de midi à 13h, du coup là ce qui fait que je n'ai plus personne. J'ai pris l'habitude maintenant de temps en temps de bloquer des créneaux, non pas pour ne rien faire mais justement parce que j'ai des choses à faire pour l'entreprise. Tout ce qui est commande, tout ce qui est post réseaux sociaux, etc. Avant je le faisais quand j'avais personne, lorsque j'avais des trous, etc. entre clientes, et sinon je le faisais à la maison en fait, lorsque j'avais pas le temps de le faire en entreprise parce que j'avais un peu trop de monde. Mais je ramenais du travail à la maison entre guillemets, je faisais mes commandes à la maison, que ce soit pour l'institut, des petites bricoles, etc. Je faisais mes déclarations à la maison, je préparais mes posts sur Canva aussi à la maison, etc. Et en fait j'ai décidé d'arrêter de faire ça parce que du coup je travaille quand même déjà 6 jours sur 7, donc du lundi au samedi j'ai quand même des gros horaires. Tu me ramenais du travail en plus à la maison, ce qui fait que bah en fait tu fais que travailler dans ta vie. Donc en fait maintenant j'ai pris l'habitude de bloquer des fois des créneaux pour justement faire mes commandes. Là j'ai une commande Amazon à faire parce que j'ai des petites choses à racheter, et également j'ai fait une commande onglerie. Normalement ma mère était me la chercher parce que j'avais pas la possibilité de le faire cette semaine, donc elle était venue me chercher pour moi mon colis. Et en gros j'ai quelques nouvelles couleurs, donc il faut que je mette tout ça sur nuancier. Quand on est auto-entrepreneuse, quand on est à son compte, c'est vrai que c'est compliqué de savoir s'arrêter de travailler entre guillemets. Alors moi c'est quand même un peu plus facile qu'un travail qu'on a à faire à la maison, puisque pour vraiment travailler sur cliente, et ben il faut que je vienne à l'institut, que j'ai mes clientes, etc. Mais tout ce qui est commande, tout ce qui est préparer mes posts sur les réseaux sociaux, enfin plein de petits trucs comme ça, ça reste du travail. Et c'est vrai qu'au début, je considérais pas forcément ça comme du travail. Mais petit à petit, et ben je me rends compte que si, ça reste du travail et que c'est important de prendre du temps pour soi. Donc vraiment, je bloque des créneaux, j'essaye au maximum. Pareil pour tout ce qui est prise de rendez-vous, etc. La plupart de mes prises de rendez-vous se font automatiquement par les clientes sur mon site internet, mais j'ai encore quelques clients qui m'envoient des messages sur Instagram ou par téléphone ou me téléphone. Et c'est vrai qu'avant je répondais à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, etc. Et maintenant j'essaye quand même de me stopper, de plus répondre trop aux messages qui sont à 23h au soir, de plus répondre aux appels que j'ai du dimanche. En fait elles vont prendre le pli et me contacter à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour, alors que genre à aucun moment ça me viendra à l'esprit d'appeler une entreprise un dimanche. Pour moi elle est fermée.
Ça y est, j'ai été chercher mon colis. C'était principalement un colis de couleur, du coup de la marque Indigo. Il y a quelques couleurs que j'avais déjà et que j'ai racheté parce que je les utilise pas mal. Et sinon, la plupart, c'est des nouvelles couleurs. Ça y est, il est midi 55, je viens de finir ce que j'avais à faire. J'ai pu tout faire, faire ma commande, faire les nuanciers, donc ça c'est cool. Là, je vais me faire chauffer à manger. Et tant que ça chauffe, je vais mettre une machine en route. Ça d'ailleurs, c'est nouveau, il me semble, que je ne l'ai pas montré. Non, ça c'est même sûr, puisque j'ai acheté les machines sèche-linge. Je crois que c'était fin janvier, début février, quelque chose comme ça. Désolée, on a le micro-ondes en fond. J'espère que vous m'entendez bien. Mais du coup, nouveauté, j'ai acheté lave-linge et sèche-linge pour l'institut. Parce que ça commençait à devenir très très compliqué de devoir amener à chaque fois serviettes. En fait à la maison, donc j'ai acheté lave-linge et sèche-linge, c'était quelque chose qui était prévu, on avait mis la place pour les tuyaux, c'est juste que j'avais pas acheté ça tout de suite parce que je ne savais pas à quel point j'allais faire des soins, mais j'en fais de plus en plus et là comme je fais des petites offres etc, pareil, du coup j'ai pas mal de linge à laver, donc ça c'est vraiment un gain de temps énorme. Bref, je vais mettre du coup mon linge à laver et puis je vais manger parce que j'ai super faim. Ça y est, journée de clientèle terminée. Là, il est 17h50. Là, je vais m'occuper du coup de tout nettoyer, tout ranger, mon petit bazar. Je dois nettoyer aussi ma cabine. Et de 18h à 19h, là, j'ai un rendez-vous, mais professionnel. C'est pour ça que j'ai plus de clientes en fait. De 18h à 19h, j'ai ma commerciale qui vient à l'institut pour me parler un peu des nouveautés, de tout ce qui va arriver ces prochains mois pour la marque. Je crois qu'il est 19h tout pile. Ça a pris une heure. C'est un rendez-vous un petit peu plus sympa, enfin, ils sont toujours assez sympas. Hein. Mais c'est juste que la dernière fois, on avait fait ça en visio. Et en fait, j'avais eu beaucoup de choses quand même à dire, etc. Et c'est vrai qu'on avait bloqué qu'une heure et ça avait passé assez vite. Et on n'avait pas eu le temps de tout voir. Là, j'avais pas de commande à faire en particulier et les offres me sont passées assez rapidement. Du coup, on a pu discuter pendant une bonne demi-heure sur certains produits qu'il fallait que je revoie, etc. Donc c'était vachement cool. Regardez, comme ça, a l'air bon tout ça. Je pense que je vais potentiellement reprendre sur plusieurs jours. Parce que je me dis que j'ai peut-être pas filmé grand chose aujourd'hui, vu que la journée est passée ultra vite. Pour le coup, en plus, c'est quand même une grande journée. Le jeudi, je fais 9h30, 19h. Et j'ai l'impression de ne pas avoir vu ma journée passer. Et c'est un petit peu comme ça tout le temps en ce moment. Et je suis hyper contente parce que ça veut dire que voilà, j'ai des clientèles, l'institut fonctionne bien, j'ai de plus en plus de monde, de plus en plus de clientes, de nouvelles clientes, les gens qui reprennent rendez-vous, qui testent d'autres prestations, etc. Donc je suis hyper contente, hyper reconnaissante parce que voilà, ça veut dire que ça fonctionne. Mais du coup c'est vrai que les journées passent à 100 à l'heure et j'ai pas beaucoup de temps. C'est aussi ce pourquoi il n'y a pas eu de vidéo plus tôt sur la chaîne, parce que de base après mes 8 clips vlog masse au mois de décembre, j'avais prévu de base, faire une pause d'une ou deux semaines au mois de janvier. Et en fait le temps a tellement filé, j'ai eu une formation aussi au mois de janvier, j'ai eu un mois hyper rempli, une offre qui a super bien fonctionné à l'institut, et en fait je me suis retrouvée avec une tonne de travail, ce qui fait qu'en fait cette pause de deux semaines s'est transformée en pause de trois semaines, quatre semaines, 5 semaines, et puis nous voilà, on est fin du mois de mars et je reprends enfin les vidéos skincare faites. Là je vais aller me poser et regarder Pékin Express.
make-up terminé, je vais me remettre au travail. Là, j'aimerais juste à mettre en place mon soin, puisque aujourd'hui, c'est la journée full soin. Bon, deuxième soin de la matinée terminé. Là, je suis bientôt en pause, mais il me reste plus qu'à tout nettoyer. Là, il est midi 45, je suis en pause de 13h à 13h30 le vendredi, vu que c'est une plus petite journée. Là, j'étais en soin et je bloque toujours un quart d'heure en fait en plus, donc de midi 45 à 13h, pour justement avoir le temps de tout débarrasser tranquillement. Et si j'accueille quelqu'un juste après, de ne pas être en retard. Donc là, j'ai voilà, 15 minutes pour tout ranger, donc ça va, je suis chill. Bon, et bien voilà, une bonne chose de faite. On dirait pas, mais en fait j'ai tout débarrassé et j'ai tout refait, puisque en fait je recommence à 13h30 avec un soin. Et également, je vais m'occuper de ça. J'ai fait une commande hier midi et je l'ai reçue ce matin, donc c'était ultra rapide. Donc ça, je sais ce que c'est. Ça, par contre, je vais ouvrir et voir s'il manque pas de produits. Ça y est, on mange. Donc comme je l'ai dit hier, normalement j'avais prévu en fait de, d'après les weekly vlogmas, de prendre 2 semaines de pause. Et ben ces 2 semaines se sont transformées en 3 mois quasiment, puisque en fait les choses tout a été très très vite, le temps passe trop vite, et en fait je me suis dit, ah ouais merde, c'est vrai. En mois de janvier, je pensais que ça allait être un mois beaucoup plus calme en termes de clientèle. Sauf qu'en fait ça n'a pas du tout été le cas. J'ai fermé une semaine parce que je suis partie en formation à Nantes avec la marque avec laquelle je travaille pour revoir leur protocole de soins, les produits, etc. Et en fait le fait d'avoir fermé une semaine a fait que tous les rendez-vous se sont regroupés sur les semaines restantes. Donc ça m'a fait des journées très très remplies et des grosses semaines. Et puis ensuite le mois de février est arrivé, c'était le mois de la Saint-Valentin. Honnêtement, il était un peu plus calme ce mois-ci, mais en fait j'avais enchaîné décembre et janvier hyper intense, etc. Ce qui fait qu'au mois de février, même s'il était plus calme le mois, malgré la Saint-Valentin, ça restait quand même plus calme. Et ben en fait j'étais super fatiguée, donc ouais, franchement au mois de février c'était compliqué, j'étais très fatiguée. Heureusement j'avais bloqué un long week-end avec Corentin fin février. On est parti à Center Park aux Pays-Bas. D'ailleurs c'était trop trop cool, on était à Port-Zéland. Et ça m'a fait du bien et ça a permis de me reposer un petit peu et d'enchaîner le mois de mars un peu plus sereine, un peu plus tranquille quoi. Mi-février je m'étais dit je recommence et du coup je vous ai filmé la vidéo FAQ. Sauf que littéralement j'ai mis je crois 3 semaines à la montée. Alors non pas que j'étais dessus tous les jours, mais en fait justement j'arrivais pas du tout à me caler des moments de montage. Du coup ça m'a pris 3 semaines pour trouver le temps de la monter. Et je me suis dit ça va être compliqué. Mais du coup là j'ai essayé de bien m'organiser pour essayer de redémarrer YouTube. Et je ne pense plus poster du coup de vidéos toutes les semaines parce que c'est trop de travail, je vais pas y arriver. Et puis ça reste une passion, c'est vraiment juste parce que j'adore faire ça et tout ça. Et puis je trouve que c'est super sympa de vous montrer un peu l'envers du décor lorsqu'on ouvre son entreprise, de vous montrer les projets travaux qu'on a fait, etc. Mais du coup je pense faire une vidéo toutes les 2 semaines. J'espère pouvoir m'y tenir, mais normalement ça devrait aller.